acclame. Merci Seigneur. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Acclame une dernière fois, s'il te plaît. Oups. Désolé. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? On va quand même se rhabiller, sinon ça fait mauvais genre. Que quelqu'un me dise amen. Ah, bien-aimé, apprends à louer Dieu. Apprends à demeurer dans sa présence. Apprends à chercher Dieu de tout ton cœur. Chercher Dieu de toute ton âme, avec ton être tout entier. Sois entier devant lui. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui nous est donnée à mon épouse et à moi d'être là ce week-end spécial avec vous. Je bénis le Seigneur vraiment pour les pasteurs Ateta et Chantal. Je bénis le Seigneur pour eux. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur parce que, comme il l'a dit, nous nous connaissons depuis longtemps maintenant. Dieu nous a permis de nous aiguiser les uns les autres, de grandir ensemble et d'être aujourd'hui les pasteurs de différentes assemblées. Et comme il a dit, ce que nous avons toujours trouvé formidable, c'est d'être dans une famille comme Impact Centre Chrétien où nous ne nous faisons pas de concurrence, mais nous nous aimons tellement et nous voulons le bien, la croissance, l'édification des uns et des autres, et nous nous encourageons les uns les autres. Et je bénis vraiment Dieu, comme je disais vendredi dernier, je le disais en plaisantant, mais l'outil que nous avons en Facebook nous permet de faire le travail de Dieu et d'accomplir ses desseins, mais nous permet également de voir, de nous édifier les uns les autres et de nous inspirer les uns des autres. Nous bénissons Dieu parce que le pasteur Mateta a fait une déclaration que j'ai trouvée merveilleuse quand il nous a accueillis. Il a dit à Sergi, à la gloire. J'ai dit, comme en Guadeloupe, il y a Eden, quand la gloire rencontre Eden, waouh, c'est vraiment un cocktail détonnant. Et je bénis Dieu parce que j'ai trouvé une merveilleuse assemblée, une merveilleuse famille, un peuple chaleureux. Nous avons été superbement accueillis, nous avons eu un merveilleux séjour et bien franchement, nous sommes très reconnaissants, très reconnaissants, très reconnaissants. Et comme je sais que cela ne serait pas possible si vous n'aviez pas les bergers que vous avez, j'aimerais qu'on prenne le temps simplement d'acclamer le Seigneur pour eux. On acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Il faut savoir reconnaître la grâce. Savoir reconnaître la grâce que Dieu dépose dans ta vie. À toi qui es encore assis, je bénis Dieu pour ta vie. Il n'y a pas de problème. La prochaine fois, tu te lèveras. La prochaine fois. Mais gloire à Dieu. Mais sachant honorer de tels hommes, a dit la Bible. Ce n'est pas au ciel qu'on prendra le temps de les honorer. C'est ici sur la terre. Au ciel, Dieu s'occupe d'eux. Sur la terre, c'est nous qui devons nous occuper d'eux. Que quelqu'un me dise amen. Wow. Soyez bénis. Vraiment, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes très chers à notre cœur. Et nous sommes bénis par l'œuvre que Dieu fait au travers de vos vies. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Vraiment, vous allez quelque part. Et j'aimerais qu'on prenne aussi le temps d'acclamer. On l'a fait au premier culte déjà, mais je crois qu'il est important de reconnaître que nous ne serions pas là si Dieu n'avait pas donné une vision à un homme qui s'appelle Ivan Castanou. Et j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour notre père spirituel, qu'on acclame le Seigneur pour lui. Aujourd'hui, quand on voit un pacte centre chrétien, on voit l'œuvre que Dieu fait au travers de sa vie, on ne peut qu'être reconnaissant. Acclamons le Seigneur tous ensemble. Veuillez prendre place, soyez les bienvenus. Le
Pasteur Mateta l'a dit, je suis venu avec mon épouse, Pasteur Célia qui est là. Et bon, elle n'est pas Miss Univers, Miss RDC, Royaume des Cieux, rien de tout ça. Elle est juste le don que Dieu m'a fait, mon partenaire de tous les jours, partenaire de destinée, une femme merveilleuse. Bénis Dieu tous les jours. Si tu n'es pas encore marié, attends la bonne personne. Non, je t'assure. Attends la bonne personne. Parce que aujourd'hui, tu ne peux pas savoir comment ça peut être difficile et douloureux d'avoir quelqu'un à côté de toi qui, au lieu de t'encourager et de t'emmener de l'avant, te tire toujours vers le bas, te donne des maux de tête, des querelles, des divisions, des assiettes, des verres. Des... Mais attends la bonne personne. Et Dieu a une bonne personne pour toi. Tu sais, regarde, je parle à quelqu'un, je sais que je parle à quelqu'un. Ne sois pas trop pressé. Parce que si Dieu est Dieu, il peut te donner la bonne personne. Pourquoi ne te donnera-t-il pas la bonne personne? Il est Dieu. Et il a dit qu'il ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Donc attends, attends. Ne te vends pas moins cher parce que tu n'es pas moins cher. Tu n'es pas moins cher. Tu as de la valeur au prix de Dieu. Tu es un élément de valeur. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé cette personne qui veut t'embrouiller, te zigouiller ta destinée, c'est parce que Dieu, le diable sait que si tu attends la bonne personne, ce qui va sortir de toi va influencer tellement le monde qu'il va perdre du terrain. Le diable sait. C'est pour ça qu'il t'a envoyé zigoto là. Il ne connaît pas Dieu, il ne veut pas venir à l'église, il ne veut pas prier. Laisse-le. C'est pas lui. C'est pas lui. Laisse-le. C'est pas à toi. En Guadeloupe, on dit c'est pas tao. Ni c'est pas à toi, c'est pas lui. Donc ne te laisse pas distraire. Tu as une destinée prophétique. Tu as une destinée prophétique. Dieu a un plan merveilleux. Et son plan s'accomplira dans ta vie. Quels que soient les verdicts des hommes, quels que soient les verdicts des médecins, quel que soit le bilan qui a été fait, même si tu n'as pas réussi à l'école, je te déclare que le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, personne ne pourra arrêter ce plan-là. Je dis personne, la personne ou l'esprit qui voulait arrêter ce plan-là, il n'est pas assez fort pour toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Il est plus fort. Non. Ne mesure pas la taille de Dieu en fonction de ce que tu manifestes aujourd'hui. Ne mesure pas la taille de Dieu. Ne mets pas Dieu dans une boîte de sardines. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus fort que ça. Beaucoup plus capable que ça. Et beaucoup, comme ils n'ont pas encore vu, ils se disent, ah, c'est tout ce que Dieu peut faire. Non, il a des réserves. Il a des entrepôts. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment par la prière. Ce qui était dans l'entrepôt de Dieu devient manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Et je crois que ça devient manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, prière. Nous sommes en train de voir depuis vendredi pourquoi prier sans cesse. Et nous avons dit que prier sans cesse revient simplement à dire que nous devons avoir une vie de prière. Parce que la prière n'est pas juste une action que nous devons répéter. La prière est une vie. La prière ne s'arrête pas. Dans Luc chapitre 18, Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Constamment prier. Sans cesse prier. Le matin, tu pries. Le midi, tu pries. Au travail, tu pries. Tu reviens à la maison, tu pries. Le soir, tu pries. Dans la nuit, tu pries. Tu vas te doucher, tu pries. Tu vas aux toilettes. On ne s'arrête pas même aux toilettes.
toujours prier et ne pas se relâcher. Que quelqu'un me dise amen. J'ai partagé avec vous pour ceux qui étaient là. Nous avons eu, on bénit le Seigneur pour le moment que nous avons eu hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les coups? Amen. Bénis le Seigneur parce que Dieu a vraiment fait de grandes choses. Il a fait descendre un feu et je crois vraiment que beaucoup vont apprécier, jouir d'un nouveau vin dans leur couple et dans leur foyer. Au nom de Jésus. Amen. Donc je disais depuis vendredi donc, que nous devons prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Parce que prier, c'est d'abord un moyen de rencontrer Dieu. Et nous avons continué ce matin, nous avons dit que nous devons prier sans cesse parce que la vie de prière n'est pas une option. De même que notre corps doit respirer, notre esprit également doit respirer. Nous avons commencé doucement et nous allons continuer ce matin au cours de ce second culte. Et nous avons dit donc que la vie de prière n'est pas une option. Jésus a prié, les disciples, les apôtres ont prié et que nous aussi, nous devons prier parce que notre Dieu veut que nous prions. Il a dit qu'il veut que nous demandions pour que notre joie soit parfaite. Il dit que nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et donc, il y a une façon de demander qui nous permet d'avoir des prières qui sont toujours exaucées. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 12, il dit que nous devons l'invoquer, nous devons prier afin qu'il nous exauce. Il n'y a pas d'exaucement sans prière. Et la raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que Dieu veut déjà nous exaucer. Il veut exaucer tes prières. Il veut exaucer les désirs de ton cœur. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Dieu veut te donner le conjoint de ta destinée. Pas le conjoint que tu veux, mais celui qui t'aidera à aller plus loin avec lui. Que quelqu'un me dise, amen. Dieu veut te donner le travail qui te permettra d'être épanoui et de continuer de le servir. Parce que, voyez-vous, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce que ce ne sont pas les projets que Dieu a pour toi. Tu veux certainement une promotion et pour toi, c'est la meilleure des promotions. Mais Dieu dit que s'il te donne cette promotion, tu ne viendras plus au pied de lui pour crier, pour dire « Seigneur, étends ta main sur ma vie ». Donc, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Pas parce que Dieu n'est pas bon, mais parce qu'il est important. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Que quelqu'un me dise « Amen ». Et il veut le meilleur pour nous. Et donc, je crois que Dieu t'apporte le meilleur au nom de Jésus. Dieu t'apporte le meilleur au nom de Jésus. Et je vais continuer en disant ceci. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Nous devons prier sans cesse. Nous devons avoir une vie de prière parce que nous devons chercher Dieu. Que quelqu'un me dit, chercher Dieu. Nous devons être assoiffés de Dieu et nous devons chercher Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons prier sans cesse. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherche. Dans Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Autrement dit, on ne cherche pas Dieu partiellement. On ne cherche pas Dieu un peu. On ne cherche pas Dieu de temps en temps. On cherche Dieu constamment. Et pour chercher Dieu, il faut prier. Il dit, je me laisserai trouver par vous, au verset 14, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je trouve impressionnant que le Seigneur, en fait, je n'avais pas prévu de parler de ce dont j'ai parlé ce matin au premier culte et ce dont je suis en train de parler maintenant. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais je trouve impressionnant que Dieu nous emmène depuis à parler, à le chercher, à développer cette soif, à développer cette quête de Dieu pour pouvoir le rencontrer. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu vous emmène à une dimension supérieure. Ça veut dire que Dieu vous emmène à une étape au-dessus. Et pour ça, Dieu est en train de vous faire rentrer dans une saison de quête, de soif, de recherche. Une saison où vous allez encore plus loin que là où vous étiez. C'est vrai que vous avez commencé quelque chose. Le Seigneur a commencé quelque chose au travers de vous. C'est bien, gloire à Dieu. Mais Dieu est en train de vous dire qu'en réalité, ne soyez pas satisfaits. Bénissez Dieu pour là où vous êtes. Mais continuez, parce que derrière, il y a encore plus. Que quelqu'un me dise, je reçois plus, je reçois plus, je reçois plus. Il y a encore plus.
Il y a encore plus. Et Dieu veut que nous allions prendre ce plus. Il dit, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Puisque vous m'avez cherché pour qui je suis, Dieu dit qu'il va s'occuper de nos affaires. Je me laisserai trouver par vous et je ramènerai vos captifs. Ça veut dire que puisque vous m'avez cherché, je me laisserai trouver. Puisque vous m'avez cherché, je m'occupe de votre délivrance. Puisque vous m'avez cherché, je m'occupe de votre promotion. Puisque vous m'avez cherché, je m'occupe de votre travail, je m'occupe de votre mariage, je m'occupe de votre guérison, je m'occupe de votre épanouissement, je m'occupe de votre liberté, je m'occupe de votre productivité, je m'occupe de votre fertilité, je m'en occupe. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laisse trouver et qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les captifs, ça veut dire que les prisonniers sont libérés. Ceux qui étaient à terre sont relevés. Ceux qui étaient aveuglés recouvrent la vue. Il y fait de l'Éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Vous savez, dans la vie, il y a des épreuves, c'est vrai. Il y a des difficultés que nous rencontrons, mais il y a des adversités. Les adversités sont causées par l'adversaire, le diable. Mais Dieu permet des fois certaines épreuves juste pour qu'à un moment donné, on arrête d'avoir la tête dans le guidon. Vous voyez? On arrête de continuer de faire ce que nous faisons. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire que quand ça ne va pas, assieds-toi, pose-toi un peu. Ce n'est pas nécessairement le diable, mais pose-toi un peu pour demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me montrer? Quelle est la direction que tu veux que je prenne? Où est-ce que tu veux que j'aille? Que quelqu'un me dise amen. Suivez-moi, nous allons quelque part. Où est-ce que tu veux que j'aille? Montre-moi la voie que je dois suivre. Quel ajustement je dois faire? Je disais en Guadeloupe quelque chose que j'ai compris, que le Seigneur m'a fait comprendre. C'est que quand tu dis, Seigneur, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Seigneur, j'ai soif de toi. Je m'attends à toi. Je veux te voir dans une autre dimension. Je veux te connaître. Je veux aller en profondeur avec toi. La première chose que Dieu fait quand il exauce ta prière, c'est te montrer ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Beaucoup, quand Dieu commence à leur montrer leur misère, l'orgueil, la cupidité, l'amertume, se disent, mais encore, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Non, la Bible dit qu'il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas. La première chose que Dieu veut te montrer quand tu lui dis, je te cherche, c'est te montrer tout ce qui n'honore pas le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. De le remettre, de l'amener en surface. Parce que la vérité, c'est que nous continuons à marcher sincèrement avec Dieu. Mais il y a des choses que nous faisons dont nous ne sommes pas conscients. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous dont nous ne sommes pas conscients et qui attristent le Saint-Esprit et qui l'empêchent de nous emmener dans une autre dimension de prière, de manifestation et de gloire. Or, la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 14, que le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire. Tant qu'il n'est pas honoré, tant qu'il n'est pas respecté, tant que la sainteté de Dieu n'est pas notre partage, l'esprit de gloire ne peut pas manifester sa gloire, la rendre visible. Et je déclare qu'elle sera rendue visible dans ta vie au nom de Jésus. Elle sera rendue visible dans ta vie au nom de Jésus. Dieu permet donc certaines épreuves simplement pour que nous nous arrêtions. Pas parce qu'il est contre nous. Pas parce qu'il veut nous bloquer. Bien au contraire, il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais il permet certaines épreuves simplement pour que les regards, peut-être que nous n'avions pas les regards sur lui, que nous commencions à tourner les regards sur lui pour continuer
de le chercher et que notre, la pensée de Dieu devienne notre pensée. Peut-être que nous nous sommes détournés, peut-être que nous étions distraits, peut-être que nous étions défocalisés. Mais quand Dieu permet l'épreuve, quand il permet qu'il y ait un blocage quelque part, réfléchis, refocalise-toi, reviens sur lui, pose tes regards sur lui et tu vas voir qu'il va manifester sa gloire dans ta vie. Que quelqu'un me dise amen. Quand Dieu permet qu'il y ait une épreuve, il veut simplement que nous nous intéressions de nouveau à lui et non pas à la chose que nous voulons. Que quelqu'un me dise encore amen. Et des fois, cette chose occupe tellement notre pensée. Tellement notre pensée, tellement focalisée sur ce que nous n'avons pas. Tellement focalisée sur ce que nous voulons voir accompli. Vous savez que certains chrétiens sont pris en flagrant délit d'idolâtrie. Alors qu'ils ne vénèrent pas Satan, ni le diable, ni une statue quelconque. Ils sont pris en flagrant délit d'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que leurs pensées sont plus focalisées sur ce qu'ils veulent que sur le Dieu qui peut faire. Et l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est ? C'est un culte, c'est un service rendu à un faux Dieu ou un amour excessif. Ton mari peut devenir une idole. Tes enfants peuvent devenir une idole. Je le vois beaucoup. Quand tes enfants prennent la place de Dieu, quand tu accordes plus d'attention, plus d'intérêt à tes enfants qu'à Dieu, tes enfants deviennent une idole. Quand un sujet, une préoccupation devient ta pensée dominante, occupe toute ta pensée, ça devient de l'idolâtrie. Ton travail, ton mariage, la délivrance, la guérison peut devenir une idole. Oh, Dieu veut que nous ayons des vies de prière d'abord parce que nous devons le chercher. Chercher Dieu. Il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La version, le semeur dit, « Que tu sois reconnu pour Dieu. » Ça veut dire que tout doit commencer par lui. Tu dois reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tu ne dois pas avoir une idole. Il n'y a pas une pensée qui doit être plus dominante que Dieu dans ton esprit. Est-ce que ça va? Nous devons apprendre à chercher Dieu. Pourquoi nous devons apprendre à chercher Dieu? Parce que les choses qui ont le plus de valeur, les choses qui sont le plus importantes, les choses de grand prix ne se trouvent jamais en surface. Jamais. Nous devons avoir soif de Dieu. Question. C'est quand la dernière fois que tu es parti en retraite? Oh. Vous avez acclamé trop vite. C'est quand la dernière fois que vous êtes parti en retraite personnelle, tout seul avec Dieu? Tout seul avec Dieu. Aujourd'hui, le monde va tellement vite. On a tellement besoin de travailler, d'être dans l'activité, de faire des choses, qu'on oublie qu'en réalité, c'est quand on tourne vers lui les regards qu'on est rayonnant de joie. On oublie que c'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne la famille, c'est lui qui donne le foyer, c'est lui qui donne la promotion. C'est lui qui donne la paix et la joie. En réalité, tu ne peux pas trouver la paix en dehors de lui. C'est la raison pour laquelle tu dois le chercher. Et je fais le constat, dans le monde occidental dans lequel nous vivons, nous avons tellement tout, même quand tu ne travailles pas, tu as quelque chose. Il y a des pays où quand tu ne travailles pas, mon gars, tu vas manger des cacahuètes. Et encore, il faut que les cacahuètes poussent dans ton jardin. Mais tellement on a le minimum, même sans rien faire, qu'on ne compte plus sur Dieu
pour que Dieu soit la source de notre vie, la source de tout ce que nous avons. Beaucoup ne cherchent pas Dieu même quand ils sont dans les difficultés. Alors que quand il y a une difficulté, Dieu dit, mais arrête de te focaliser sur la difficulté. Tourne-toi vers moi, cherche ma face. Moi, je te cherche. Je vous disais vendredi dernier que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. Parce qu'au début, il n'y avait pas une question de prière. Dans le jardin avec Adam, ce n'était pas une question de prière. Dieu cherchait Adam pour communier avec lui. Il n'a jamais attendu qu'Adam prie. C'est Dieu qui cherchait Adam. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu recherche de véritables adorateurs. Parce que Dieu recherche une intimité avec ses enfants. Il veut avoir un tête-à-tête. Il veut que tu le cherches dans la prière. Il veut passer au-dessus de ton travail, au-dessus de ta famille, au-dessus de ton foyer, au-dessus de tes ressources, au-dessus de ton argent. Il veut avoir la première place. Et je crois fermement que si Dieu permet que nous puissions partager ça aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous attend à une dimension supérieure. Ça veut dire bien au-delà de ce que vous imaginez. Bien au-delà, bien au-delà, bien au-delà. Il y a des hommes et des femmes ici qui vont être des personnes, des soldats, des guerriers du royaume, des intimes de Dieu, de véritables prophètes, de véritables évangélistes, guerriers de Dieu. Il y a des personnes sur qui Dieu pose un regard particulier parce que ce sont des personnes qui aiment profondément Dieu et qui veulent faire le plaisir de Dieu. Et je crois qu'il y a ce type de personnes ici. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Je vois ta vie de prière percée au nom de Jésus. Je vois une nouvelle dimension de quête, une nouvelle dimension de soif, nouvelle dimension de passion, nouvelle dimension de désir, nouvelle dimension de redimensionnement. Oh, je vois une nouvelle dimension de profondeur, une nouvelle dimension d'attachement, une nouvelle dimension de quête, une nouvelle dimension avec Dieu au nom de Jésus. Ceux qui cherchent Dieu ont un statut particulier. Ceux qui cherchent Dieu, la Bible dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc quand tu cherches Dieu, Dieu fait un pas. Quand tu dis, Seigneur, je te cherche, Dieu te dit, moi aussi, je te cherche. Vous savez que c'est Dieu qui a inspiré cette danse-là. Je te cherche, moi aussi, je te cherche, moi aussi. Ouais. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Ceux qui cherchent Dieu ont un statut particulier. Tu dois devenir un chercheur. Un chercheur, il sait que les mines d'or ne se trouvent pas à la surface. Il sait qu'il faut aller creuser. Il faut creuser profondément. Il sait, un chercheur commence à poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, oh, je suis timide, je n'aime pas déranger. Mon gars, tu ne cherches pas. Non, oublie. Oh non, je suis comment on dit ça? Timide, introverti. Merci. Je suis introverti, moi je parle pas trop, je pose pas de questions. Mon gars, tu cherches pas. Timide ou pas timide? Quand tu cherches, dis, vous savez pas les enfants, vous avez vu les enfants quand ils commencent à découvrir le monde, ils vont à l'école, dis papa, comment on fait les bébés? Il dit, hé petit. Vous savez, celui qui cherche Dieu, il aura des questions. Pasteur Mathé, comment on fait pour rencontrer Dieu? Comment on fait? Pasteur Mathé, Pasteur Chantal, quand on est une femme et qu'on a un foyer, qu'on a des enfants, on est en activité, mais on veut être dans la présence de Dieu. Nous aussi, on travaille. Comment on fait pour avoir des moments d'intimité avec Dieu? Comment on fait? Si tu n'as pas de questions, c'est que tu ne cherches pas encore. Mais Dieu t'emmène aujourd'hui à chercher. Que quelqu'un me dise Amen.
Quel est le dernier livre que tu as lu sur Dieu? Quelle est la dernière prédication que tu as lue, que tu as écoutée, pardon, juste parce que tu voulais connaître plus de Dieu? Pas parce que tu voulais écouter le pasteur, la prédication du dimanche, mais juste parce que tu voulais aller plus loin. Tu as écouté la prédication du pasteur, que quelqu'un me dise amen. Tu as réécouté la prédication du pasteur, que quelqu'un me dise amen. Oh, il faut dire amen. Mais tu fais plus. Tu fais le kilomètre supplémentaire. Tu vas plus loin. Tu regardes, par exemple, je vous donne un exemple. La soif de Dieu. Tu vas écouter les prédications du pasteur Yvan sur la soif. Tu vas écouter les prédications du pasteur Yves ICC Brazzaville sur la soif. Les prédications du pasteur Yann sur la soif ne sont pas disponibles sur Internet, mais tu vas aller en Guadeloupe, tu vas les acheter sur la soif. Que quelqu'un me dise amen. Mais c'est ça, chercher Dieu. Nous étions à un séminaire avec Bishop Dag. Bishop Dag, Howard Mills. Et il disait quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, si tu as quelque chose que je veux, I will come and get it. Je veux aller là où tu es, je veux l'obtenir. Je veux le recevoir, je veux te poser des questions. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de quelqu'un qui opère à une dimension à laquelle tu n'opères pas, ne parle pas trop. Demande, comment on fait? Qu'est-ce que je peux faire là où je suis? Ceux qui cherchent Dieu ont un statut particulier. Voilà ce qui arrive quand les personnes cherchent Dieu. Psaume chapitre 9, verset 11. La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Même si tu es gauche, ça veut dire que même si tu es délicat, même si tu ne sais pas t'y prendre, quand tu cherches Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. 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 Dieu ne t'abandonne jamais. Jamais. Même dans les moments de détresse, Dieu te fera savoir qu'il est là. Même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu te fera savoir qu'il est là. Dieu ne t'abandonne jamais. Que quelqu'un me dise amen. Il y a quelque temps dans l'église, à ICC en Guadeloupe, on est passé par une phase très difficile, il y a quelques années, très très difficile. Et je partageais ça même avec le pasteur Mateta. À un moment donné, c'est vrai que ce n'était pas simple. Mais Dieu a suscité en nous ce désir de dire, bon, c'est très simple. Soit il nous a appelés, soit il ne nous a pas appelés. Nous sommes certains qu'il nous a appelés. Donc, il y a certainement quelque chose que nous ne faisons pas bien. Parce que je sais que la lumière est supérieure aux ténèbres. La Bible dit que quand la lumière est arrivée, les ténèbres ont été repoussées. Ça veut dire faisant quelque chose. On a mis en place un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui n'étaient pas des intercesseurs. Ils n'avaient rien de particulier. Il y en a un qui était à la sécurité. L'autre était au ménage. L'autre ne servait même pas. On a pris des personnes qui avaient le cœur pour l'œuvre, qui avaient le cœur pour Dieu. On les a réunis et on a commencé à prier ensemble. On a commencé à prier. Nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons cherché. Nous avons dit, Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi. Montre-nous. Et le Seigneur a commencé à montrer. Le Seigneur a commencé à montrer qu'il y avait des gardes comme des Égyptiens. Enfin, pas comme des gardes égyptiens. Un peu comme dans l'Égypte antique, à l'ère des pharaons, vous voyez? Donc, des gardes égyptiens qui étaient à l'entrée du sanctuaire, qui laissaient passer les gens. Une fois que les gens sont rentrés, ils sortent. Et quand ils veulent revenir, ils mettent leur lance et ils leur bloquent la route. Et ces personnes ne peuvent pas revenir. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi l'église, il y a des personnes qui venaient. On a organisé plein d'événements qui, par la grâce de Dieu, ont touché beaucoup de gens, ont fait beaucoup de bien aux gens. Et notamment, on a organisé une conférence à un moment donné. Et je me suis dit, waouh, la conférence s'est tellement bien passée par sa grâce. Quand je dis bien passée, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été édifiées et des personnes qui sont venues au Seigneur. Mais quand je regarde les chiffres, c'est pour ça que je regarde même plus les chiffres. Je regarde les chiffres, on a gagné une personne. J'ai dit, ah! Une personne de plus dans l'église. J'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le Seigneur a commencé à nous montrer
que spirituellement, il y avait une bataille qui n'avait pas été gagnée. Il y avait des esprits qui étaient à la porte de l'église et qui empêchaient les gens de rentrer, de revenir à l'église. À un moment donné, à un autre moment, le Seigneur nous a révélé comme s'il y avait un couvercle sur l'église qui empêchait l'église d'exploser. Si bien que les gens ne se lâchaient pas. Les gens ne s'abandonnaient pas. Aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne met pas forcément sur Internet parce que si il y a des choses qui peuvent choquer. Parce que quand on voit à l'église aujourd'hui, les gens sautent partout. Ils sautent partout. Ils louent Dieu, ils chantent, ils célèbrent. Et c'est tellement merveilleux de voir ce que Dieu a commencé à faire. Alors qu'il y a 7 ans, quand on a commencé ICC Guadeloupe, pasteur Ivan Castanou est venu faire un séminaire en Guadeloupe. Et nous étions là, la plupart des gens le regardaient assis, les bras croisés, pendant l'adoration, avec la manifestation de la présence de Dieu. Les gens étaient là, impassibles. Et quand tu vois ces mêmes gens sauter, danser, louer, soupirer après Dieu, dire à Dieu, je m'attends à toi, tu dis, waouh. Tu dis, waouh, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il y a des saints qui ont élevé une prière. Et la Bible dit, il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Je ne sais pas à quel stade tu es. Je ne sais pas où tu te trouves actuellement. Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur. Peut-être que tu connais le Seigneur, mais ta vie de prière est en dents de scie. Ta foi n'est pas constante. Je t'annonce qu'il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Psaume 34, verset 11. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La version parole de vie dit, les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Quand tu cherches Dieu, tu ne mourras pas de faim. Non, jamais. Que quelqu'un me dise Amen. Il dit, mais pasteur, tu ne connais pas ma vie, il y a la galère, mais tu ne cherches pas encore Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, je déclare dans ta vie que les provisions, tu ne sauras même pas où les mettre. Tu vas dire, mais la bénédiction, ça vient de partout. On m'appelle à gauche, on m'appelle à droite. Promotion par-ci. Madame, oui, vous êtes disponible. Monsieur, oui, vous êtes disponible. Mais je n'ai même pas postulé chez vous. Madame, monsieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a besoin de vous. Venez voir, venez voir. Je déclare que la floraison, la productivité, l'abondance, les fleuves coulent dans ta vie. Parce que tu cherches. Que tu cherches. Il a dit que ce sont les fleuves d'eau vive qui couleront quand nous aurons soif, mais quand nous chercherons. Dieu est une source illimitée. Illimitée, bien-aimé. Tu peux venir devant Dieu avec ta boîte de sardines. Tu vas prendre, ta boîte de sardines sera remplie. Tu peux venir avec un verre, ton verre sera rempli. Tu peux venir avec une bouteille de 1,5 litre. Ta bouteille sera remplie. Tu peux venir avec un seau, ton seau sera rempli. Il est une source illimitée, dépendamment de ta soif. Si tu as une soif de boîte de sardines, tu reçois la quantité de boîte de sardines. Si tu as la soif d'un conteneur, tu reçois un conteneur. Si tu as la soif d'une ville, comme le Seigneur nous disait, que Dieu donne à ICC Sergi le 78. Le 78. La soif pour un département entier. 95, 78. C'est pas en tout petit soif. Ça, c'est grande soif. Soif. Cherche, mon ami,
Toutes tes batailles peuvent être remportées en fléchissant les genoux. Toutes tes batailles peuvent être remportées en fléchissant les genoux. Quelqu'un me dise amen. La Bible dit encore, Psaume 105, verset 3, je vais aller plus vite. Glorifiez-vous de 105 ans. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Proverbe 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ça veut dire que comprendre tout, c'est recevoir l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu se manifeste quand tu cherches Dieu. J'ai compris en fait que Dieu rend intelligent. Oui, oui. En Guadeloupe, il y a un sujet, on dit tébé, tébé, tu es bête, tébé. Mais même si on t'appelait tébé, même si on a dit de toi que tu n'arriveras à rien, quand tu cherches Dieu, je t'assure, tu comprends tout. Et tu sais, quand tu comprends, alors qu'il y en a qui sont encore en train de réfléchir, parce que tu as compris, ouh, tu passes devant eux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh, moi j'ai compris. Il y en a qui sont encore en train de réfléchir sur un autre défi. Oh, toi tu as compris, tu passes devant eux. Dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Le Seigneur a permis que je comprenne. Dis, peux rien. Dis, mais on ne t'attendait pas là. Dis, mais. Que quelqu'un me dise amen. La vie de prière te permet de chercher Dieu. Le Seigneur a attiré mon attention sur un personnage de la Bible qu'on appelle Josué. Josué m'a intrigué. Parce que j'ai lu une parole dans Exode chapitre 33. La Bible dit dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Bon, la plupart des gens connaissent Moïse, n'est-ce pas? Même si vous n'allez pas à l'église, vous avez vu le roi d'Égypte. Connaissez Moïse. Donc vous savez que Moïse était quelqu'un qui était profondément lié à Dieu. Et la Bible dit que Dieu, l'Éternel, parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur la suite de ce verset. La Bible dit, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et ce passage m'a toujours intrigué. Et je me suis toujours dit que je ne l'avais pas compris et qu'un jour, le Seigneur ouvrirait mon esprit sur ce passage. Et un jour, je faisais mon jogging, donc je courais et je commençais à parler à Dieu. J'ai dit, ah, Seigneur, comment ça va? Il dit, non, fils, ça va. Donc on discute, il dit, ah, mais tu as peut-être du nouveau pour moi aujourd'hui? Il dit, oui. Tu te rappelles de l'histoire de Josué que tu aimes bien? J'ai dit, oui, l'histoire de Josué que j'aime bien, Exode 33, 11. J'ai dit, oui, oui. La Bible dit que Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Et je me suis toujours demandé comment Josué était dans la tente. Vous avez déjà lu ce passage ou pas? Non? Bon, ok, vous allez lire. Je me suis toujours demandé comment Josué avait fait pour être dans la tente. Parce que dans la tente dont on parle, c'est la tente de la rencontre, qu'on appelle le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse était constitué de plusieurs parties, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Mais dans la tente, il n'y avait que le souverain sacrificateur, autrement dit Moïse, qui pouvait y entrer, ou bien ceux qui avaient été habilités, qui étaient souverains sacrificateurs, et ceux qui servaient dans le sanctuaire, dans le temple, devaient appartenir à la tribu des Lévites. Donc les Lévites seuls pouvaient rentrer dans la tente et pouvaient faire le service dans le sanctuaire, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. D'ailleurs même, tellement tout le monde ne pouvait pas rentrer dedans, quand le souverain sacrificateur rentrait dans la tente, on mettait attaché à sa cheville un fil. Parce que si lui-même il n'était pas tout à fait droit devant Dieu, Dieu le terrassait à l'instant même. Et comme dans la présence de Dieu, parce que dans la tente il y avait la présence de Dieu, dans la présence de Dieu tout le monde ne pouvait pas s'y présenter, il fallait être habilité. Et même quand il décédait, on tirait juste la corde. On tirait juste la corde. Et je me suis toujours demandé, mais comment Josué a fait pour être dans la tente? Et il allait avec Moïse dans la tente. Josué était un disciple de Moïse. Dis avec moi, disciple. Et donc, Josué était entraîné, coaché par Moïse.
Il lui montrait comment rentrer dans la présence de Dieu, comment chercher Dieu. Et Josué voulait chercher Dieu. Et en fait, le Seigneur a commencé à me parler sur Josué. Il me dit, en fait, tu sais que Josué, oh Josué. Et c'est comme si j'entendais le Seigneur sourire. Il dit, oh Josué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec Josué? Il dit, mais Josué était quelqu'un. Alors, ce n'est pas écrit. Je vous dis ce que moi j'ai reçu. Comment le Seigneur m'a fait comprendre ça? C'est comme s'il me disait que Josué était quelqu'un de maladroit. Mais qui voulait Dieu, qui cherchait Dieu comme il pouvait. En fait, il voulait tellement Dieu qu'il s'est retrouvé dans la tente parce qu'il était amoureux de Dieu. Il voulait passer du temps avec Dieu. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. En réalité, Josué n'était pas un Lévite. Il appartenait à la tribu d'Éphraïm. Il n'avait pas le droit d'être là. Normalement, il aurait dû mourir. Ceux qui cherchent Dieu ont un statut particulier. Ils vont plus loin, ils vont plus haut, ils font des choses. Et Dieu même dit, mais ta foi est tellement grande que même ce que je n'avais pas prévu, je le fais pour toi. Tellement tu me cherches. Tellement tu me cherches. Tellement tu me désires. J'ai dit, waouh, j'ai compris. En réalité, tu veux nous montrer qu'il faut qu'on te cherche. J'ai dit, oui, il faut me chercher. Ceux qui cherchent Dieu ont un statut particulier. Particulier, particulier. Et la prière, c'est pour chercher. Cherche. C'est Dieu lui-même qui demande. Il dit, demande, il te sera donné. Cherche et tu vas trouver. Et on cherche parce qu'il se laisse trouver, pas par tout le monde, uniquement par ceux qui le cherchent. Parce qu'il veut que ceux qui le cherchent soient sérieux avec la demande. Il n'a pas de temps à perdre. Il faut que tu sois sérieux. Si tu veux juste Dieu parce que tu as besoin d'une voiture, Dieu dit, mais je n'ai pas le temps. Il y a des âmes à sauver. Si je te donne une voiture, il faut que tu ailles, il faut que tu transportes les âmes du Seigneur. Ce n'est pas juste pour que tu frimes dans ta belle voiture rouge. Non, Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps. Et Dieu nous connaît. Que quelqu'un me dise amen. Et je te vois chercher Dieu dans une autre dimension. Je te vois soupirer après Dieu. Je te vois faire des retraites juste parce que tu veux te retrouver dans la présence de Dieu. Je te vois, oh, que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé, que tu aies de l'argent pour payer tes études ou que tu n'aies pas d'argent. Je te vois chercher Dieu. Je te vois t'attendre à Dieu. La Bible dit que ceux qui le cherchent ne sont privés d'aucun bien. Autrement dit, ceux qui cherchent Dieu ne doivent pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire ou même de comment ils vont payer les études. Dieu ouvre les robinets quand tu le cherches. Je fais une parenthèse. La Bible dit, la Bible parle des anges de Dieu. Il dit qu'il y a le ministère angélique qui est activé par les prières des saints. Que quelqu'un me dise amen. Les anges, en fait, les anges sont des esprits au service de ceux qui ont hérité du salut. Dieu peut décider d'envoyer ses anges comme il a fait avec Marie en envoyant l'ange Gabriel, mais Dieu peut également envoyer un ange suite à la prière d'un saint comme on peut voir dans Daniel. Daniel a prié et l'ange est venu exécuter les desseins de Dieu parce que Daniel a prié. Parce que tu cherches Dieu, Dieu envoie ses anges vers toi. Dieu envoie ses anges vers toi. Parce qu'il y a des anges qui sont porteurs des bénédictions, qui sont porteurs des exaucements. La Bible dit dans Daniel que le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, en réalité, le Père l'a envoyé parce que Daniel a eu à cœur de s'humilier et de prier. Dès que tu auras à cœur de chercher, l'ange de Dieu va commencer à apporter l'exaucement à ta prière. Et je déclare que les anges de Dieu apportent l'exaucement à ta prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Prier nous permet de chercher Dieu. Et je vais finir avec un dernier point. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une vie de prière? Pourquoi est-ce qu'il est important de prier sans cesse? Pour le salut et l'affermissement des âmes. Pour le salut et l'affermissement des âmes. Jérémie 29, verset 7, version second 21, il dit, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien est lié au sien.
dis avec moi mon bien est lié au bien-être de la ville. Mon bien est lié au bien-être du pays. Quand vous lisez la Bible, vous savez, la Bible nous fait changer de comportement. Il y a des personnes qui critiquent le pays dans lequel ils sont. Ah, la France, c'est toujours comme ça, il y a toujours des grèves, c'est pas comme on veut. Bien-aimé, il y en a qui aimeraient être à ta place. Mais quand tu comprends que ton bien-être est lié au bien-être du pays dans lequel tu habites, tu arrêtes de critiquer. Parce que ça veut dire que tu es en train toi-même de combattre ton bien-être. Tant que le pays n'est pas bien, tu ne seras pas bien. Si le pays est bien, tu seras bien. C'est la raison pour laquelle tu dois prier pour ta ville. Dieu t'a mis dans ta ville parce que ton bien-être dépend du bien-être de la ville. Regardez. Dans la version Luc II, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Et voilà ce que le Seigneur me montre. Il dit « Mais c'est quoi quel est le plus grand bien que tu puisses faire à quelqu'un ? » Vous savez, vous ? Quel est le plus grand bien que tu puisses faire à quelqu'un ? Est-ce que vous savez? Je suis sûr que vous savez. Vous n'osez pas, c'est ça? Vous pouvez y aller, pasteur est ok. C'est quoi? Prier pour la personne, c'est pas mal. Mais c'est pas encore ça. L'aimer, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. L'amener à Christ. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Le plus grand bien que tu puisses faire à quelqu'un, c'est l'emmener à Jésus. Parce que le seul moyen pour lui de connaître son identité, son potentiel, de le libérer, de manifester les projets de paix, les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu l'a créé, Dieu l'a façonné, c'est qu'il soit connecté à Dieu et donc de l'emmener à Christ. Si tu ne connais pas encore Jésus aujourd'hui, mon frère, ma sœur, malgré tous tes biens, malgré toutes tes ressources, malgré toutes tes expériences, ton nom de famille, tu ne pourras jamais libérer tout le potentiel que Dieu a mis en toi si tu n'es pas connecté à ta source qui est Dieu et le seul capable de libérer ce potentiel par son esprit en toi. Le plus grand bien que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'emmener à Jésus. Donc quand Dieu dit ici, recherchez le bien-être de la ville, en fait, recherchez que la ville soit sauvée parce que le salut de la ville influe sur votre bien-être. Quand la ville est sauvée, les hommes et les femmes qui vivent dans la ville, qui vivent dans le pays, sont sauvés, ils ont le cœur de Dieu. Les cœurs brisés sont restaurés. Il y a la paix de Dieu, il y a le caractère de Christ, il y a moins de vols, il y a moins de violence. Il y a moins de cambriolage, il y a moins de meurtres. Toutes ces choses qui font la promotion du royaume des ténèbres commencent à s'évanouir parce que la ville connaît Jésus. Le bien-être de la ville, ça veut dire le salut de la ville. Recherchez le bien-être de la ville. Que quelqu'un me dise amen. Plus il y a de personnes converties, plus c'est la fin des problèmes de voisinage, c'est la fin des problèmes de famille, c'est la fin des problèmes de disette, de manque, de violence, de catastrophe, de désordre. Que quelqu'un me dise amen. Est-ce que tu ne veux pas le bien-être de ta ville? Est-ce que tu veux le bien-être de ton pays? Alors dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. Et en fait, le Seigneur me dit, mais tu sais, il y a un secret que tu dois connaître par rapport à l'exaucement de tes prières. Je dis, ah bon, c'est quoi le secret? Le secret, c'est qu'il faut prier pour les autres, prier pour la ville. Il y a une clé importante pour la prière qui est de toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. La prière qui s'appuie sur la parole de Dieu, la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu est écoutée et exaucée parce que tu pries selon sa volonté. Et l'autre clé importante, c'est de prier pour les autres. Quand tu pries pour la ville, tu sais que le Seigneur s'occupe de toi. Ton bien-être dépend du bien-être de la ville. Que quelqu'un me dise amen. Dans 1 Jean 5, 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance.
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que quand tu pries selon la parole de Dieu, tu es certain que Dieu entend ta prière et que Dieu exauce ta prière. Et en plus, si tu pries pour le salut des hommes, le salut des êtres humains, c'est la volonté de Dieu. Tu le sais qu'il prendra toujours plaisir à t'entendre prier pour cela. Et alors que hier, tu priais pour tes besoins personnels, rien ne se passait. Tu priais pour tes désirs, rien ne se passait. Quand tu vas commencer à prier pour ton pasteur, prier pour les frères, prier pour les sœurs, prier pour l'église, prier pour ta ville, prier pour ta communauté, prier pour ton pays, tu vas voir que Dieu va commencer à ouvrir des vannes qui étaient fermées depuis longtemps. Tu vas voir que Dieu va commencer à mener à manifestation ses projets dans ta vie. Et je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne demandes. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'abord intéressé par ta demande. Il est d'abord intéressé par ce qu'il y a dans son cœur. Il est d'abord intéressé par ce qu'il y a dans son cœur. Que quelqu'un me dise amen. Il faut prier pour les âmes. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. L'apôtre Paul a demandé dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 1. Il dit, frère, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Autrement dit, le salut de tes proches, le salut dans la ville, le bien-être de la ville ne se manifeste pas quand personne ne prie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie pour le salut, pour que des âmes soient sauvées. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, la Bible dit même dans Psaume 2, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Tant que tu ne demandes pas les nations, Dieu ne te les donne pas. Et je vous disais vendredi que le monde est sous la domination du malin. Dans le monde, il y a différents types de royaumes. Il n'y a pas que les royaumes que nous connaissons, les royaumes terrestres. En réalité, dans chaque sphère, il y a un royaume. Les eaux, c'est un royaume. L'air, c'est un royaume. La terre, c'est un royaume. Le dessous de la terre, c'est un royaume. Et quand tu dis, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, il dit, demande-moi, je permettrai que l'influence de Dieu soit manifeste dans ta vie, quelle que soit l'influence des royaumes qui existent dans le monde. Que quelqu'un me dise amen. Il faut que quelqu'un prie pour le salut. Si personne ne prie pour le salut de tes proches, ils ne viendront pas à Christ. Pour les membres de ta famille, ils ne viendront pas à Christ. Sans prière, il n'y a pas de manifestation de salut. Que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Le pasteur Karambiri partageait une anecdote il y a quelque temps. Et il parlait d'une femme qui était dans son église. Cette femme est décédée. Donc elle est morte. Et comme elle aimait profondément Dieu, elle priait beaucoup. Elle est partie vers Dieu. Et elle dit à Dieu, Père, je suis content d'être là, mais pourquoi tu m'as enlevé si tôt? Il fallait que je reste encore sur terre. Il dit, non, mais ton travail était fini sur terre, c'est bon. Je te veux auprès de moi, je te rapatrie, c'est bon, tu es bien là. Elle dit, mais Père, mais regarde, mes enfants, ils vont rester orphelins de mère. Il dit, t'inquiète pas, je m'en suis déjà chargé, je m'occupe de tes enfants. Ils vont bien grandir, ils vont réussir à l'école, ils ont une belle vie. Ils seront également des sources de bénédiction pour les autres. Elle dit, mais Père, tu as vu mon mari? Il va rester seul. C'est un bon mari. Il s'occupe bien de moi, il est attentionné. Il communique. Nous sommes complices. Est-ce que tu vas faire en sorte que mon mari reste? Il dit, t'inquiète pas, ton mari aussi. J'ai déjà prévu celle qui va te remplacer. Ne t'inquiète pas. C'est bon. Il y aura quelqu'un pour lui, pour prendre soin de lui. Donc ne sois pas inquiète. Elle dit, mais Père, tu as vu le travail que j'étais en train de faire dans le quartier pour sauver les âmes?
Tu as vu le nombre de jeunes qui sont sortis de la rue au travers de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ces âmes-là? Qu'est-ce qui va se passer pour les autres, ceux qui ne t'ont pas encore connu, ceux qui ne sont pas encore revenus à la maison? Tu as vu? Elle dit, ah, les âmes. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, rien que pour ça, je te renvoie. Repars. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Dis avec moi, prière. Dis avec moi, prière. Rien que pour les âmes, Dieu a décidé de la renvoyer sur terre pour faire le travail le plus important. Pour qu'elle continue à prier et qu'elle continue à témoigner de Jésus. Pour les âmes. Il y a quelque temps, nous avions un programme de prière matinale. Et on a arrêté le programme parce que je n'étais pas satisfait. Et je demande à Dieu, mais Seigneur, il faut qu'on prie pour les divorcés, compris pour les personnes qui ont des difficultés dans leur foyer, compris pour ceux qui ont des problèmes d'argent. Il me dit, non, ce n'est pas ça, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. On ne commence pas par prier par les besoins des hommes. On commence d'abord par mes besoins à moi, par mes intérêts à moi. Je dis, ah bon, mais c'est quoi tes intérêts à toi? Il me dit, les âmes. Les âmes. Le cœur de Dieu bout pour les âmes. La prière, ce n'est pas d'abord pour nos besoins. La prière, c'est d'abord pour faire le plaisir de Dieu. D'abord pour les âmes. Pour faire le travail de Dieu. Et si personne ne prie, aucune âme ne vient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils viendront à l'église. Ils repartiront aussi vite qu'ils sont venus parce que personne ne prie. Que quelqu'un me dise amen. Oh, je déclare et je décrète que dans cette église, désormais, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent dans la prière et qui prient pour le salut de la ville, le salut de la communauté, le salut du département, le salut de la région, le salut de la nation, au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que nous restions focalisés sur nos défis, sur nos problèmes, mais Dieu veut que nous puissions travailler pour ses intérêts à lui. Que quelqu'un me dise amen. Et en plus de cela, une fois que tu as prié pour le salut, il faut prier pour que ces âmes restent sauvées. En réalité, tu dois prier pour tout. Tu dois prier pour tout. Tu dois prier avant, tu dois prier pendant, tu dois prier après. Tu dois prier pour tout. Quand tu as prié pour qu'une âme vienne à Christ, tu dois prier pour qu'elle reste attachée à Christ. Tu dois prier pour qu'il reste chrétien, qu'elle reste chrétienne. Qu'elle continue de chercher Dieu avec ferveur, avec enthousiasme, avec soif. Aujourd'hui, l'un des plus gros fléaux de l'Église, c'est de voir des personnes qui prient uniquement pour eux et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils arrêtent de prier. Ou bien leur prière descend d'intensité. Parce qu'on ne prie pas pour le mariage, parce qu'on ne prie pas pour ma réussite, parce qu'on ne prie pas pour ma promotion. Tant que tu cherches ce qui est sur le cœur de Dieu, je t'assure, mon frère, je t'assure, ma sœur, Dieu s'occupe de toi. Ton bien-être est assuré. Ton bien-être est assuré. Remarque simplement, toutes les personnes que vous avez emmenées au Seigneur, individuellement ou en tant qu'église, la plupart ne sont plus là parce qu'on n'a pas prié pour elles. On n'a pas prié pour qu'elles restent attachées à Dieu. La Bible le dit, hein. Galates chapitre 4, verset 19. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ça veut dire que je nourris en moi ce désir ardent de voir Christ, le caractère de Dieu, être manifesté dans la vie de ceux qui ont connu Jésus. Je nourris en moi ce désir ardent, ça boue à l'intérieur de moi, c'est douloureux à l'intérieur de moi. Il faut que je l'enfante. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il reste attaché à Dieu. Une fois que nous avons gagné, nous sommes allés dans la rue, nous avons organisé des programmes, nous avons organisé des concerts, nous avons organisé des événements. Il faut qu'il reste attaché. Et l'apôtre Paul dit, j'ai en moi les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui doivent naître de moi.
Il y a des enfants qui doivent naître, se développer au travers de moi. Que quelqu'un me dise amen. Et je finirai avec cette parole dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 12, version parole de vie. Il dit, Épaphras, qui est de chez vous, vous salue. Ce serviteur de Christ Jésus combat pour vous dans ses prières. En effet, il demande que vous restiez parfaitement chrétien et toujours en accord avec ce que Dieu veut. Autrement dit, le fait de rester parfaitement chrétien n'est pas un acquis. Dans la version Louis II, il dit qu'il prie pour qu'il soit disposé à faire toute la volonté de Dieu. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Et ça doit être notre partage au nom de Jésus. Dans la saison dans laquelle Dieu nous emmène, dans la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans la saison dans laquelle Dieu nous permet d'être, nous ne pouvons plus juste continuer à prier pour prier. Prier n'est pas juste une accumulation de paroles. Prier, c'est se connecter à Dieu pour être exaucé. Il faut qu'il ait l'exaucement. Si tant que nous ne voyons pas l'exaucement, il faut continuer à prier. Il faut demander à Dieu, est-ce que ma prière est la bonne prière? Et Dieu te donne la bonne prière pour pouvoir amener à manifestation ses desseins. Et je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Le disciple qui a demandé à Jésus a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Fais de nous de véritables disciples de Christ. Fais de nous des instruments de gloire. Seigneur, alors que nous écoutons, nous entendons ce que tu as choisi de dire, ce que l'Esprit a choisi de dire à son Église, pardonne-nous nos écarts, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos faiblesses, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir abandonné la course, de ne pas avoir persévéré dans la foi. Pardonne-nous notre égoïsme, notre égocentrisme. Pardonne-nous de nous être contentés du minimum des miettes qui tombaient de la table, alors que les miettes n'étaient pas prévues pour les enfants, mais au contraire, les miettes étaient prévues pour les petits chiens. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous contenter de l'héritage des petits chiens, alors que tu as pour nous des maigrats et succulents en réserve. Seigneur, pardon, parce que nous ne t'avons pas cherché comme nous aurions dû. Nous n'avons pas prié pour les autres, mais plus pour nous. Ô Père, l'un des secrets de l'exaucement, c'est de prier pour les autres, c'est de demander le bien-être des autres, parce que tu assures notre bien-être quand nous recherchons le bien-être de la communauté, de la ville, de la nation et du pays. Seigneur, pardon. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons que nous ne voulons pas voir notre Dieu devant toi. Nous ne voulons absolument pas bâtir des idoles dans nos cœurs. Parle à ton Dieu cet après-midi. Parle à ton Père cet après-midi. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas prendre d'engagement pour prendre un engagement. Je demande l'assistance de ton Esprit Saint. Je demande l'assistance du Paraclétos, du Consolateur. Je demande l'aide de mon Dieu parce qu'il est la force dont nous avons besoin, la capacité dont nous avons besoin. Il est celui qui relève notre tête. Il est celui qui ouvre les yeux de notre cœur, qui nous rend conscients de là où il nous emmène, de là où nous sommes, de notre misère. Père, nous te demandons une vie de prière, une vie de supplication, une vie d'intercession, une vie d'adoration, pas une vie de chant,
une vie d'adoration. Une vie dans laquelle nous acceptons d'être des sacrifices vivants, saints et agréables. Seigneur, nous voulons avoir le cœur pour les âmes, le cœur pour le peuple non atteint, le cœur pour ceux qui se perdent et se meurent. En réalité, hier, nous n'étions pas émus, nous n'étions pas remplis de compassion. Quand quelqu'un allait en enfer, cela ne nous disait rien, parce que notre cœur n'était pas encore tourné vers le cœur de Dieu. Mais Seigneur, il faut que ça nous fasse mal que quelqu'un ne te connaisse pas. Qu'un collègue, Seigneur, ne te connaisse pas. Qu'un membre de nos familles quitte cette terre sans te confesser. Confesser ta Seigneurie. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous le cœur pour les choses de Dieu. Oh oui, Seigneur, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui sont montées dans le cœur de l'homme. Accorde-nous la grâce, Seigneur notre Dieu, de ne pas être comme l'homme animal et de ne pas comprendre les choses de l'esprit. Nous sommes esprit et nous voulons manifester les choses de l'esprit dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Père, est dans ta main. Que nous ressentions la douleur que tu ressens. Que nous ressentions, Seigneur, la compassion que tu ressens. La Bible déclare que Jésus eut compassion de la foule et il fit des miracles. C'est parce que la compassion a été manifestée, l'amour a été manifesté dans le cœur de Jésus que les miracles se sont opérés. Qu'il y ait des miracles au travers de nous. Et je déclare qu'il y aura des miracles au travers de ta vie. Il y aura des prodiges au travers de ton ministère. Il y aura des signes au travers de ta destinée. Et oh, des hommes et des femmes confesseront la Seigneurie de Jésus-Christ au travers de ton histoire et de ton témoignage. Ceux qui avaient jeté l'éponge reprendront l'éponge au travers de ton histoire. Ceux qui étaient à terre, qui s'étaient arrêtés en route, qui n'avaient pas persévéré jusqu'à la fin, oh, désormais persévéreront au travers de ton témoignage. Alors que tu faiblissais, alors que tu t'arrêtais, alors que tu te focalisais sur toi, alors que tu étais tourné uniquement sur tes défis, je déclare que les yeux de ton cœur s'ouvrent maintenant. Et avec les yeux de l'esprit, tu vois les attentes du Père. Tu vois ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Et tu es rempli de la plénitude de la volonté de Dieu. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta destinée n'aura plus jamais la même saveur. La saveur de Christ, la bonne odeur de Christ sera manifestée au travers de ton histoire. Quel que soit ton âge, quel que soit ton appel, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la saison dans laquelle tu es, je déclare et je décrète que tu rentres dans une nouvelle saison de gloire avec le Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. L'esprit de prière et de supplication s'attache à toi au nom puissant de Jésus. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais la Bible déclare que tu verras de tes yeux la rétribution des méchants. Personne ne mourra dans ta famille, personne ne mourra dans ton foyer. Mais tous vivront et raconteront les œuvres merveilleuses de notre Père Céleste, de notre Dieu. C'est ton partage. Tu le reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?